Bonjour, on est parti pour un nouvel épisode sur Lethys avec la mission 11 à Hutton. Où il va falloir avoir 2500 ouvriers dans des maisons de niveau 10 et 5000 ustensiles produits par an. Ok, et c'est sur une map 120 par 120, donc toute petite, c'est les premières il me semble, c'est ça. Donc allons-y directement. Oh, il est revenu lui. Oh non. Il faut étendre nos frontières, l'Empire doit croître coûte que coûte. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez vraiment comprendre cela. Contentez-vous juste de faire votre travail sans broncher. Après tout, c'est moi qui gouverne et vous n'avez qu'à obéir. Hélène Oshelm, voilà, on joue bien Hélène. Peut soulager, se mettre en route vers les terres intérieures. Entre l'assassinat de Anna de... Ah, elle a été assassinée ? De Anna II et l'arrivée au pouvoir de ce vieillard rabougri, elle est plus que satisfaite d'avoir à développer de nouvelles cités loin de la capitale. C'est que la région est prometteuse, tout l'ouest de Lethys reste globalement inexploré. Mais ces terres sont pleines de promesses et il ne tient qu'à la jeune urbaniste d'y bâtir le futur fleuron de l'Empire. Ah, c'est ce saloupio qui a fait... Ok. Alors, lorsque vous arrivez dans une nouvelle région, il y a peu de possibilités commerciales, mais une fois que vous y avez construit quelques villes, vous pouvez échanger beaucoup plus de ressources. Ah. Voyons voir. C'est parti. Alors, petite pause du début. Ok, là c'est ça. Ça c'est quoi? C'est du cuivre. Exact. Du fer ici. On n'aura que deux filons. Ok. Ah, ici, toute la zone de culture avec... Ah! Ah oui, du coup... On va être obligé de... Avec le truc à gaz ici, quoi. Ok. Ici, une maison hantée. Ah, il y a plein d'arbres, par contre. Alors, ils arrivent d'où? Je crois que c'est d'en haut, là, non? Ouais, d'ici, ils arrivent. Donc, on va commencer à les installer là. Elles sont pas très loin d'ici, là, pour faire des cultures. Ça peut être bien. Et voyons voir aussi... Ah! Ah, ils achètent. Ah oui, ils achètent des ustensiles, voilà. Eux, ils achètent des ustensiles et ils vendent du poisson. Ah oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de poisson. D'ailleurs, ici, est-ce qu'on peut... Ah, on peut pas. On peut faire des patates et de l'orge. D'accord, bah on va faire des cultures de patates. Hein. Et on mettra la zone... comment ça s'appelle ? De vente. Voilà, le commerce à côté d'ici. Alors, c'est parti. Est-ce que je peux par ici? Voilà, on peut mettre un pont là, ce qui est très bien. Maintenant, on va mettre des maisons. Voilà, ici. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9... Ah oui, mais alors, par contre... Non, ça va pas être terrible comme ça. Comment je vais m'organiser? Parce que oui, il y a cette saloperie de... forêt. Voici, dans un premier temps, on va mettre cette première ici. Comme ça. 2, 4, 6. 7, 8, 9. Voilà, les gens arrivent.
Alors, on va faire les routes. Tac. Voilà, on va poser les petites maisons ici, ici. On va reculer un peu la vue, j'aime pas être trop près. Donc ça, on va mettre les plots. Voilà. On va mettre ça. Et on va faire en sorte de se lancer très vite dans les ustensiles. Parce que peut-être que l'empereur va en demander très vite. J'ai combien d'argent ? Ça va quand même. Ok, j'ai envie de voir. Oula ! Mince, on va enlever le truc. Voilà, là on voit qu'il y a des arbres. Dans un premier temps, on va faire ça. Oh. Oh, j'ai pas laissé assez d'espace là, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, normalement j'ai laissé assez d'espace. Hop. Oui, si, j'ai laissé assez d'espace, ça va. Alors, le nombre de murs vivants dans votre cité augmente, ça c'est très bien. Alors, on va faire une petite pause et on va vérifier si on peut installer une nouvelle zone. On voit que là ça va pas être terrible. On va peut-être la faire plus petite. Ah bah je peux même pas ici en fait. Donc ça va être que là. Hop. En espérant quand même que je puisse faire passer la route. Ici c'est bon. Voilà. Tac. Là, on va faire partir la route comme ça. On va faire avec, hein. On va faire avec. Hop, on va mettre. Petite maison ici. Petite maison ici. En plus, ici, on pourra repartir. Après, on va peut-être mettre ici. Qu'est-ce que je voulais mettre? Ah oui. Tac. Tac. On va mettre les plots. Voilà. On va mettre des maisons ici en attendant. C'est pas spécialement gênant. Ce qu'il faut, c'est que je produise ça en fait. Et pour ça, il faut un maximum d'ouvriers. Ah, il y a beaucoup de chômage là, donc on va mettre en place. Où c'est que je peux le mettre? Parce qu'on va mettre de la patate. On va mettre en place le gaz. Je vais peut-être mettre ça là. Ça serait le moins gênant. Est-ce que je peux mettre une route justement ici? Ah, je peux mettre là. Ou là. Ok, voyons voir. Hop. Ouais, je vais peut-être la mettre ici, la route. Voilà. Mettre un entrepôt pour le gaz ici. Le gaz là. Tac. Voilà. On met une route. On va mettre. Hop, ça ici. Voilà. Ensuite, il me faut une route. Jusqu'à là-bas. Voilà, ça c'est nickel. Tac. Oui, si on va mettre des patates, on va pouvoir en mettre un peu partout des patates. L'autre c'était quoi d'ailleurs? C'était le chanvre. Ah oui, c'était pour l'alcool.
Il va falloir aussi penser à ça. Ici, on va tout refuser. Sauf le gaz. Accepter. On va mettre... Pour le moment, 2. Je pense pas que ça soit très utile d'en mettre beaucoup plus. Hop. Voilà. Voilà, théoriquement, ça gêne pas trop. Ça doit être pas mal. Donc là, on a fait ça. Est-ce que c'est déjà marqué comme il me reste? Ah non. Ah, il manque déjà que 12 ouvriers. Ok. Alors, on va continuer à faire des maisons. Hop. Alors, où je peux mettre des routes? Parce qu'il faut y penser à ça. Hop. Là par contre on peut remettre 2, 4, 6, 8, 9. On va mettre un maximum de personnes de toute façon. Voilà, des maisons. Qu'est-ce que je voulais là? Ceci, on va mettre des plots. Faut que je fasse quand même très attention à mes dépenses. J'espère gagner un maximum avec ça. Avec la revente de bijoux directement. Ce qui pourrait être très utile. Donc voilà, là on est pas mal. Je pourrais faire partir une route comme ça et mettre l'entrepôt ici. Allez. Il manque des travailleurs. Normalement ça devrait vite se remplir. Alors voyons voir. Voilà, le duc réclame déjà des ustensiles. C'est pour ça que j'ai voulu partir directement sur les ustensiles. Donc on va faire partir une route, là. Et c'est la route qui va s'occuper des ustensiles. Il en vaut 1000. Ça fait déjà pas mal, hein. 1000, ça fait déjà pas mal. On peut mettre un là. Un là. Et un là. Alors voyons voir. Non, c'est pas ça que je voulais voir. En plus, ça sera la réparation. Tac. Ah, est-ce que j'ai fait... Ah, c'est bon, j'ai fait la bonne taille. Tac. Donc ça c'est bon. Ici on va tout refuser sauf le cuivre et les ustensiles. On va en mettre seulement 2000 et 6000. On va mettre je vais y arriver. On va en mettre 2. Pour le moment, on va en fermer 2. Et on va en fermer 1. On va mettre de quoi réparer ici. On va mettre un plot ici. Ah oui, il faut que je mette un plot là aussi, sinon ça va être un peu le bordel. Voilà. Ça me paraît pas mal. Par contre, est-ce que je vais avoir de quoi...
les gens arrivent. Directement, j'ai assez, hein. Si ça se... comment dire. Voilà. J'ai plus qu'assez. 1% de chômage. En mettant tout ça. Il me manque quelques ouvriers. Est-ce que dans un premier temps, je ne ferai pas ça pour faire en sorte d'avoir assez. Allez les gars, on y croit. Est-ce que je vais arriver? Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je laisse un peu de place. Il reste qu'un mois déjà? Oh, je suis à 900. Oh! Non, t'es pas sérieux. J'ai pas réussi à le livrer. T'es, il devait rien manquer. Oh, je suis à 1002. Ah, quel dommage. Quel dommage. Je pensais vraiment y arriver. Bon, du coup, par contre, ce qu'on va faire, c'est faire venir aussi un peu de... Hop, et on va en mettre 1002. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, ils veulent, eux, ils veulent de la nourriture. Je suis à combien de chômage? 1%. Donc, vu qu'ils veulent de la nourriture... non, les patates, c'est pas là les patates, c'est là. Tac. Voilà. On va tirer la route. On va mettre... ça ici, avec un plot là, pour éviter qu'il aille se balader. Et on va commencer à mettre des zones de patates. Et à partir d'ici, on va en mettre 4, mais de toute façon ils pourront pas, hein. Ils pourront pas assurer, ça c'est sûr et certain. On va mettre plus de maisons donc du coup. On va mettre des maisons par ici. Dans un premier temps, voilà. Après on pourra les enlever. %3 de chômage, bah voilà. Ah oui, non, mais il y a personne qui bosse là. Donc c'est logique. Il va falloir que j'enlève des maisons dès qu'il commencera à y avoir des patates. Dans un premier temps, on va faire ça, on va rouvrir ça. Ah, on va mettre le comptoir commercial directement. Où c'est que je le mets? Je vais le mettre directement là. Ou là? Non, on va le mettre là. Ouais, on va le mettre ici, hein, par contre. Hop. Ah, je ne vois pas le plot. Bah, c'est bon, je l'ai eu. Voilà, on va faire en sorte... C'était où? Tac. J'ai fait bugger le... Ah, c'est bon.
On va exporter un maximum d'outils. Est-ce qu'il y a assez de monde qui travaille dedans? Oui, il y a assez de monde. Ah, il manque des ouvriers. Ah, pourtant, j'ai fermé là. Oh, il y a plein de patates. Ah, attention, hop. On va s'occuper de mettre un marché. Ah bah oui, mais tout le monde s'en tape, c'est normal. C'est où je cherche, oui c'est ça. Voilà, c'est mieux. Théoriquement il y a beaucoup plus de monde. À 2% de chômage. Vais-je gagner assez d'argent? Ah, il me faudra une autre usine et ustensiles, tiens. Oui, il manque des ouvriers, mais là, on peut régler ça avec un peu de déco. Voilà. Quelques décorations. Alors ça donne quoi les patates? Ah, il prend tout lui toujours hein. Il prend tout. On va faire en sorte d'améliorer celui-là. Si possible, on va le mettre. On va le mettre directement. Hop. Avec quelques décorations. Ah alors qu'est-ce qu'il veut? C'est qui ça? Un nouvel empereur pour Lethys, le jeune Simvanred est entré en âge de régner. Bah je préfère que ça, on va lui donner celui-là quand même. Ah ouais, par contre ce qu'il me faut c'est la mairie là. Ah oui mais... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'ai oublié de mettre ça. Ça va peut-être me coûter... Ça va peut-être me coûter cher. D'ailleurs je vais la mettre où ma mairie? Ah ici tiens. Tac. Ah il me reste plus d'argent là. Il ne me reste plus d'argent. Ça risque d'être tendu. Non, on va en virer deux. On va mettre... Ça aussi, c'est important. Ça et ça. Allez. Ça manque de travailleurs. Ah oui, personne ne travaille là-dedans. Et c'est mon seul revenu pour l'instant, donc c'est... personne. On va arrêter de travailler là, on verra bien ce que ça donne. Parce que là, l'argent est en train de tomber. Bon, ça retravaille ici. Alors, peut-être en fait en arrêter une de ça.
voire deux. Je suis à combien là? 15%, on va remettre les patates en marche. Il nous faut de la nourriture, hein. Absolument de la nourriture. Ça donne quoi là? 13 ouvriers manquants. Je peux pas faire grand chose, hein. Tata.